Bientôt arrivé, on se prépare, donc on a profité aujourd'hui toutes les installations du club un petit peu pour nettoyer, préparer la saison, que ce soit le pas de tir ou la salle d'accueil du ski club, les skis aussi. Voilà, donc c'était le but de la journée. Et puis suivi d'une grillade et puis l'après-midi une séance d'entraînement donc qui a permis aux jeunes du club de continuer leur entraînement et puis pour les gens, les adultes qui n'avaient jamais fait de ski roue ou les tout petits de découvrir, de s'essayer au ski à roulette, voilà, sur le parking ou la route de Beille. Beille, ça monte. Donc pour les débutants, là, on va avoir un groupe qui va tourner sur le parking, là, comme ça c'est plat et ça va permettre de les mettre en jambes, tout ça. Les plus aguerris, les un peu plus grands, là, ils vont descendre un peu et faire une partie de la montée de Beille. Après, sur l'entraînement régulier, nous, moi j'ai jeune de la section où on va souvent sur la route de la Corniche en face de la vallée. Là. On a une petite route sympa qui monte un peu et après du parcours un peu roulant, plutôt plat. Ça nous sert nous pour les pratiquants du ski de fond pour s'entraîner quand on n'a pas la neige. Donc c'est parfait pour tout l'automne à peu près. Donc là ce qu'on voit derrière c'est les jeunes qui débutent, donc c'est plutôt petit, donc on commence plutôt au plat. Et ça nous permet de faire comme si on faisait du ski de fond l'hiver. Donc là on voit qu'ils sont sans bâton pour commencer. Mais après ça peut très bien se faire avec les bâtons comme on verra les plus grands qui sont justement en train de faire un bout de la montée de Beille. Là ce que j'ai à la main c'est un ski roue de skating. Donc les deux roues roulent dans les deux sens, donc c'est voilà, très bien. Et il y a des ski roues qui sont adaptées au classique où j'ai une roue qui va tourner que dans le sens de la marche et qui sera par contre bloquée au retour, ce qu'on appelle une roue anti-recul. Donc ça nous permet de pouvoir monter dans l'axe et de remplacer le fartage ou le ski à écaille. Donc de pouvoir monter des choses un peu plus raides, plus facilement. Ski de champion. Beille, c'est dur, hein. C'est pas plat, hein. On a plus 20 ans, c'est là que tu le vois. Hein. Ouais, encore, il y a pas. Dur quand même, merde. Eh, mais non, mais si il vient devant nous. Ah, ah ouais, hein. Il y en a fait en plein milieu. Hein. Bien, hein. Oui, mais après, le carabine est trop facile. Non, cible dès le départ. Tu te fais la cible? Il faut que ça soit cible. Ouais, ok. C'est pas trop mal. Quoi? Ouais. Et après, ça rentre. C'est celui-là pour le sortir. C'est la cible. Vas-y, vérifie que je triche pas. C'est la cible. Laisse-le, laisse-le. Il faut que ça soit cible. Donc, installe-toi en position déjà avant de mettre ton doigt dessus. Sinon, ça va partir sans flèche. Tu peux tenir comme ça, dessous, tu vois. Tiens. Le doigt, tu mets que quand t'es sûr.